Coucou, 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 connectez-vous. On va faire cette petite vidéo pour notre coach. Bipez-moi la soi-disant Lady Sonia. I'm going to talk to her. Je vais lui parler à propos de son interview qu'elle a faite. Pour moi, je sors un peu parce que je me dis que peut-être c'est un buzz, Je me dis que c'est un buzz. Donc, je mets ça sur le compte d'un buzz. Mais c'est un buzz de vraiment de mauvais goût. Parce que notre coach, Chimène, elle est une représentation de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de la culture ivoirienne. Et donc, je me permets de faire cette vidéo pour répondre, un droit de réponse à la soi-disant Lady Sonia. Donc, invitez les Ivoiriens. On va mettre un peu de musique et puis on va faire la vidéo. Partager la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Signalez-vous, signalez-vous. On va faire cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo politique aujourd'hui, mais elle rentre dans le compte de le panafricanisme. Parce que trop, c'est trop. Je pense qu'il y a des... Il y a des plaisanteries de mauvais goût que nous, les Ivoiriens, on ne peut plus accepter. Nous sommes à fleur de peau. On ne peut plus accepter cette manière de faire. Donc, invitez tout le monde, partagez la vidéo sans problème. Partagez, 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 partagez. Il n'y a pas jalousie, il n'y a pas jaja dedans. C'est jalousie qui nous tue, sinon il n'y a rien encore. Thank you.
Signalez-vous. Alors, on va faire cette petite vidéo. Je vous souhaite la très bienvenue sur cette vidéo. Je salue tout le monde. Ce sera une vidéo vraiment rapide. Il faut savoir que je fais cette vidéo pour décrier un fait. Je me dis que c'est sur le plan de la, c'est-à-dire c'est sur le plan du buzz. Je crois que ce phénomène-là, ça se répète à chaque fois. Ce phénomène où c'est des personnes, des Africains qui viennent en Côte d'Ivoire et on les présente sur les médias ivoiriens et je ne sais pas si c'est pour se faire entendre ou pour se faire voir, pour qu'on sache qu'ils seront dans la place, c'est-à-dire ils seront à une manifestation, une conférence, etc., etc., ou c'est encore pour titiller les Ivoiriens à propos soit des personnalités, ou soit des Ivoiriens, etc., etc. Ce phénomène, ça a commencé il y a longtemps. C'est autant de, depuis autant de, et moi-même je me suis fâchée pour ça, autant de Siliki Diabaté qui était venu en Côte d'Ivoire, qui avait dit quelque chose, et ça ne nous a vraiment pas plu. Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Je me rends ce droit-là de parler de ce sujet parce que j'ai l'impression que le panafricanisme dont on parle, certains Africains n'ont pas le sens du panafricanisme. Certains Africains. Parce qu'un pays, ça se vend. Un pays, ça se représente. D'accord? Lorsqu'on parle de Drogba comme ça, sachez qu'aux États-Unis, on connaît Drogba. En Angleterre, on connaît Drogba. Et donc, chaque pays a ses talents. Chaque pays a ses talents. Les Ivoiriens, souvent, quand ils vont à l'étranger, quand ils ne se comportent pas bien, on leur dit, quand vous partez chez quelqu'un, sachez vous tenir. Nous avons vu, lorsque cette fille a été allée au Gabon, d'accord, lorsqu'elle est allée au Gabon, parce qu'elle n'avait pas peut-être ses papiers, je ne sais pas quoi, on l'a rapatriée, sans faute. You know, on l'a rapatriée et le Gabon a fait ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, il faut suivre les lois lorsque tu vas dans un pays. Mais il y a certains Africains, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils pensent que nous, les Ivoiriens, en fait, moi, ce que je trouve, c'est de la jalousie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays spécial. C'est un pays qui a du potentiel. C'est un pays qui a eu beaucoup de grâce. Il y a bien de grâce. La Côte d'Ivoire et puis les Ivoiriens, ils sont généreux. Et d'autres pensent qu'ils peuvent venir en Côte d'Ivoire malgré qu'ils boivent le lait des Ivoiriens. Ils vont se mettre toujours à, you know, essayer de titiller un peu les Ivoiriens parce que ça leur fait de l'argent, ça leur fait de la promotion. Ça leur fait du buzz. Merci, As Francis, Francis. Merci. Ça leur fait du buzz. Et nous aussi, puisque nous sommes fleurs de peau, nous réagissons. Et ils font leurs conférences. Ils se font de l'argent. Et puis ils s'en vont.
C'est comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Imaginez-vous, si on nous interdit Facebook, on interdit la Côte d'Ivoire sur Facebook, vous allez voir comment Facebook sera nul. Vous allez voir comment Facebook sera moins animé. Vous allez comprendre. Vous allez voir. Parce que où il y a la Côte d'Ivoire, où il y a les Ivoiriens, il y a toujours le show. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours... Nous sommes un pays qui anime l'Afrique. Je me rappelle qu'il y a certaines personnes sur YouTube qui utilisaient les informations de la Côte d'Ivoire au temps d'Arafat, mais pour se faire plein de sous. Quand ils mettent, par exemple, le nom d'Arafat dans les vidéos, mais ils ont 160 000 vues. Ils se faisaient de l'argent sur l'information des Ivoiriens. Mais nous, on aimait ça. On ne les accusait pas. On se prêtait à ce jeu. Nous-mêmes, entre nous, on peut se clasher, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne permet pas qu'un autre pays, un autre ressortissant d'un autre pays, vienne nous insulter, vienne nous manquer de respect sur nos médias. C'est un manque de respect. Il faut qu'il y ait de la réciprocité entre nous. L'africanité, là, le panafricanisme, là, c'est la diversité dans la singularité. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, ça ne veut pas dire que des ressortissants d'un autre pays viennent dans un autre pays pour faire la loi, pour dire ce qu'ils veulent. Et puis nous, on va rester là à les regarder comme les zozos. Ça ne peut pas être possible. Donc, il faut qu'on apprenne à nous respecter. Cette plaisanterie de la soi-disant Sonia wherever là, soi-disant coach là, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas si elle est, ça fait partie d'un buzz qu'elle a fait avec la coach elle-même. Mais si ce n'est pas un buzz, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Elle est venue faire une conférence. Elle a parlé de son parcours, de ses livres, de ses quoi. Tant mieux. Mais qu'elle se vende autrement à cette conférence-là que de faire un buzz sur nous, notre représentation, sur nous, notre coach Armand Chic, la coach Lamborghini, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Nous, on aime sa gamme. Elle a sa manière de faire. Elle a son talent. Chaque humain a des talents. Nous tous, nous avons des talents. C'est parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas trouvé leur talent. Et ils ne connaissent pas leur talent parce qu'ils ne cherchent pas à connaître leur talent. Et ils se perdent. De la manière dont coach Armand Chic fait ce coaching en ce qui concerne le mariage. Et puis ce que coach Lady Sonia fait, chacune est douée en sa matière. Sur Facebook, même si tu as 9 vues, les gens te connaissent. Si tu as 2 vues, les gens te connaissent. Une fois que tu as un compte Facebook, tout le monde te connaît. Tu fais les commentaires, on te connaît. Tu fais les directs, on te connaît. Tu es blogueur, on te connaît. Tu es activiste, on te connaît. Tu es cuisinier, on te connaît. Tu es dans une communauté, on te connaît. Donc, lorsqu'il s'agit de culture, coach Armand nous représente sur les réseaux sociaux. Elle représente la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de, par exemple, Olivia Yassé, qui est en train d'aller faire Miss Monde, mais c'est une représentation de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Eka, moi, je ne parle pas de tout ce qui est fait divers ou bien buzz de blogueurs. Mais pour coach Armand Chic, je m'y intéresse parce que ça fait partie des couleurs. Elle représente la Côte d'Ivoire. Elle a un talent. Elle connaît son domaine. Elle connaît son game. Elle est dedans. Il est hors d'équation. À ça, non. Il est
hors de question qu'une autre coach venant se faire des sous en Côte d'Ivoire puisse ainsi parler à son égard. C'est un manque de respect. Ça n'a rien à voir avec une lady. Une lady ne se comporte pas comme ça. C'est une lady fake. Elle n'est pas lady. Elle n'est même pas lady. C'est pas comme ça qu'une lady, elle feint de ne pas connaître coach Amanchi. C'est pour relever notre courroux ou c'est pour nous indigner ou quoi. Ou c'est un buzz. C'est un buzz de mauvais goût. J'ai dit, mais c'est un buzz de mauvais goût. Il faut qu'on apprenne à se respecter. C'est de ça qu'il est question. On ne veut pas accepter d'être dernier tout le temps. On ne veut pas accepter d'être en arrière. Nous sommes talentueux. Nous avons du potentiel. Et nous allons nous affirmer sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux sont là. Parce que Dieu nous a donné ce talent. Zuckerberg, quand il faisait son Facebook, il n'a pas dit le plus méritant. Il a dit, venez tous. On appelle ça Facebook. Ça veut dire que ton visage est book. Ton visage est fiché. C'est ce que ça veut dire, face. Dans un livre. Un book, c'est un livre. C'est un livre. Donc, nous, les Ivoiriens, on ne peut pas admettre cela. Elle ne peut pas venir boire au lait de la Côte d'Ivoire et dénigrer notre coach Lamborghini. C'est une friend ennemie. C'est une amie ennemie. Parce qu'elle se dit que peut-être que en dénigrant coach ou bien en coach Amanchik, elle a du talent, elle a du karma, elle a de la prestance. C'est vrai que son style est différent de celle de la soi-disant lady là. Mais chacune est douée dans son domaine. Il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas match. Chacune a sa manière de coacher. Chacune a sa manière d'avoir ses followers. Chacune a sa manière de faire. Chacune a sa manière d'aider et de promouvoir. You know? Le bon mariage ou les relations interpersonnelles, etc., etc. Et c'est l'Afrique qui va gagner. Pourquoi toujours mettre en compétition les gens? Pourquoi vouloir compétir tout le temps? C'est vrai. Il y a des trucs où on compétit, mais dans ce cadre-là, il n'y a pas de compétition. Chacune est douée à sa matière. Chacune est douée dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, dans son style. Chacun a son style. Il faut promouvoir toi ton style. Tu dis que tu veux faire coaching en Côte d'Ivoire. Tu as une conférence en décembre. Mais qu'est-ce que tu nous vends? Qu'est-ce qu'on doit acheter? Qu'est-ce que les Ivoiriens n'ont pas que toi, coach, sonnet, tu peux envoyer à la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il est question. C'est ça l'appel du coaching. Tu dis que tu es motivatrice, tu es coach. Coach, ça veut dire quoi? C'est de coaching, c'est coacher. Coacher quelqu'un, c'est comme, c'est encourager. Tu es une encourageuse, en fait. Tu encourages. You know? C'est quelqu'un, par exemple, une star qui est paresseuse, qui ne veut pas aller peut-être faire quelque chose. Et puis, il y a un coach, elle emploie un coach pour la réveiller le matin. La coach l'aide à aller au sport. La coach la motive à manger. La coach l'aide à faire ses courses. C'est ça qu'on appelle un coaching. En fait, tu n'es pas une coach même. Tu es une motivatrice. C'est tout. Moi, sincèrement, au début, Lady, je la regardais un tout petit peu, pas trop. Parce que j'aime son style, parce qu'elle est beaucoup classe. You know, elle est classe. Moi, j'aime son style. Mais tout ce qui est coaching de Lady, moi, je n'écoute pas. Moi, je n'écoute pas les coachs. Je ne l'écoute pas, en fait. Moi, j'écoute plutôt... Moi, je suis plus dans les coachs... je peux dire les coachs américains parce que c'est là-bas que j'ai fait mes études. Donc, je préfère ces coachs-là. Quand je vais faire du sport, quand je vais garder la ligne, quand je fais un projet, you know, il y a beaucoup de façons de coach. On appelle ça le développement personnel. Il y en a beaucoup. Quand tu veux avoir une taille fine, quand tu veux, par exemple, quand tu veux, tu as des projets de business, il y a des coachs business, il y a des coachs de mariage, de relations, il y a des coachs de fitness, il y a toutes sortes de coachs. Aux États-Unis, ils sont pleins. Et chacun est doué dans son domaine. Il n'y a pas rivalité, il n'y a pas jaja dedans, il n'y a pas jalousie. Il n'y a pas jalousie.
la défendons. Quelque chose, ce que vous lui donnez comme nom, nous la défendons parce qu'elle est une Ivoirienne. Il dit, mais elle est une Ivoirienne. Elle ne vous a pas appelé de venir dans son coaching. Comme ce que tu entends le dire là. Moi, je ne vais pas mettre ce que tu entends le dire, mais tout simplement, je vais te bloquer. D'accord? Toi, Traoré, je ne sais pas quoi là, je vais te bloquer. C'est tout. Moi, je n'ai pas ton temps. Lorsqu'elle parle, elle dit la vérité. Elle dit ce qu'elle pense. Elle speak son mind. D'accord? Elle fait comme elle peut. Elle fait comme elle veut. Si elle était aussi horrible, on allait la censurer. C'est tout. Nous la défendons parce que nous devons la défendre. Elle n'a pas appelé quelqu'un sur ses lives. Mais il est hors de question, malgré ce qu'elle fait ou malgré ce qu'elle est, il est hors de question que Lady So n'a pas en Côte d'Ivoire pour essayer de faire une conférence. Et puis elle invite les Ivoiriens. Mais vous ne savez pas que les Ivoiriens, là, c'est les coachs Armand Chic, là. C'est les blogueurs. Nous sommes Africains, il faut avoir de la réciprocité. Quel Africain qui est mieux que qui? Ou bien qui est mieux que un autre pays? Vous êtes tellement ingrat. Vous pensez comment vous regardez être ingrat? Les réseaux sociaux n'ont créé ça pour une seule nation africaine. C'est ça que vous appelez panafricanisme. On veut le panafricanisme. Mais si vous ne savez pas respecter autrui, vous ne savez pas respecter les autres nations, on va vous imposer ce respect-là. Il dit, mais on va vous imposer ce respect-là. Est-ce que vous pouvez aller en Afrique du Sud pour piailler et pour chacasser? Vous ne pouvez pas aller en Afrique du Sud parce que vous trouvez que les Sud-Africains sont xénophobes. C'est en Côte d'Ivoire votre dépotoir. C'est en Côte d'Ivoire votre dépotoir. C'est la Côte d'Ivoire qui vous montre à la lumière. C'est la Côte d'Ivoire qui est votre spike light. C'est la Côte d'Ivoire. Vous venez en Côte d'Ivoire pour boire du lait. Il dit que vous venez spirituellement en Côte d'Ivoire pour boire du lait. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, votre lumière brille. La Côte d'Ivoire est incontournable. Et vous savez ça? Nous n'allons pas nous laisser insulter par vous. Vous, certaines nations, vous, certains pays qui venez boire au lait, ça jamais. Ça jamais. Vous avez vos valeurs, nous avons nos valeurs. Il est hors de question que lorsqu'il s'agit de la culture, qu'un membre de notre pays vienne en Côte d'Ivoire et nague en direct sur les chaînes télévisées ivoiriennes ou bien sur les réseaux sociaux, un Ivoirien. Il est hors de question qu'on accepte cela. Vous pouvez aller en Algérie pour faire ça? Vous pouvez aller au Maroc pour faire ça? Vous ne pouvez pas. Vous connaissez votre limite. Vous pensez que les Ivoiriens sont votre Bamougou parce que vous êtes jaloux. Parce que vous êtes haineux et aigri. Mais ça ne chauffe pas. Dieu a donné les talents à chacun. Nous, on vous aime comme vous êtes. Mais si vous ne nous aimez pas et que vous nous prenez du bas, on va vous montrer la route de votre village avec la main gauche. Ça, c'est clair. That's all about. Parce que nous luttons en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que M. Alassane Ouattara fait ça. Nous avons lutté. On a eu des matis en Côte d'Ivoire. Nous sommes des lutteurs. Nous sommes des courageux. C'est quel pays en Afrique où ils ont décapité la tête de quelqu'un? C'est quel pays? Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est parce que nous sommes trop larges. Nous sommes trop généreux. Que vous vous permettez de venir raconter ou bien de faire, de provoquer. Mais on ne va pas vous laisser. Ça ne peut pas passer inaperçu. Vous sortez, vous venez en Côte d'Ivoire pour boire le lait, vous venez en Côte d'Ivoire pour faire vos trucs culturels. On vous dit la bienvenue. Mais si vous ne connaissez pas votre place là, on va vous montrer votre village. Que ça soit bien clair. Envoyez cette vidéo à Lady Sonia. N'importe quoi.
Amanchik a sa manière de faire. Lady Insomnia a sa manière de faire. Tu dis que tu es venu vendre un produit dans un pays. Ou bien tu dis que tu vas vendre un produit dans un marché. Mais tu n'as qu'à aller vendre ton produit. Tu n'as qu'à présenter ton produit. Présente-nous le produit que tu veux présenter. Tu dis que tu es coach. Qu'est-ce que tu veux motiver en Côte d'Ivoire? Que les Ivoiriens n'ont pas. C'est de ça qu'il est question. Les vrais coachs américains, le développement personnel, s'est quitté aux États-Unis. Ils réussissent dedans parce qu'ils savent quoi vendre. Ton parcours là, on s'en fout de ton parcours. Ton parcours là, ça ne peut pas motiver quelqu'un. Ton parcours n'est pas extraordinaire ou bien spectaculaire. Tu as ton parcours, tu as ton parcours. On respecte ton parcours. Plus jamais tu viens en Côte d'Ivoire pour raconter des choses sur notre coach Amante. Tu n'es pas une coach. Tu n'es même pas une motivatrice. Tu veux te faire voir, c'est tout. Depuis que tu as fait des coachs, faut nous dire combien de succès tu as eu. Où sont les témoignages là? On veut voir les témoignages. Parce qu'aux États-Unis, si vous regardez sur les Américains, c'est comme ça. Combien de témoignages tu as eu? Quels sont les mariages que tu as arrangés ou bien les couples que tu as arrangés? Come on. Vous donnez des airs, vous donnez des gens, alors que tout le monde est la même chose en Afrique. Nous tous, on est en train de lutter pour libérer l'Afrique. On ne peut pas accepter ça. Lorsque l'Ivoirien est parti au Gabon, on l'a rapatrié. Toujours, on fait les vidéos pour dire à nos frères Ivoiriens, quand vous partez dans une nation, respectez les lois, respectez les habitants, connaissez votre place. Connaissez votre place. Si vous ne connaissez pas votre place, on va vous montrer ça en Côte d'Ivoire. On va vous montrer ça. Toutes les nations se sont réunies. Il y a des pays qui ont été des arrière-bases. Nous sommes encore dans notre lutte. Personne ne nous aide. N'importe quoi. Nous sommes des frères africains. Mais si vous ne savez pas nous respecter, on va vous imposer ce respect-là. On va vous imposer ce respect-là. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas nous prendre du bas. Vous savez que nous sommes plus assimilés en Afrique de l'Ouest, là-bas, entre nous les Blacks. Là. Vous savez que les Ivoiriens sont plus assimilés, vous savez ça. Et puis on a le mind. On vous respecte aussi. Mais si vous n'avez pas les bonnes manières, on va vous monter votre village avec la main gauche. On ne peut pas admettre que quelqu'un qui vient vendre un produit puisse avoir de tels propos envers notre coach Amand. Ce n'est pas possible. À moins que ce soit un buzz. Si c'est un buzz qu'elle a arrangé avec la coach, je suis d'accord. Mais ce n'est pas un buzz. On ne veut pas avoir ce genre de carabistouille sur les réseaux sociaux ou bien à la télé en ce qui concerne les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens sont à l'extérieur. Les vrais Ivoiriens, ils sont à l'extérieur. C'est les Ivoiriens whatever là qui sont encore en Côte d'Ivoire. On les respecte. Comme ils n'ont pas, ils savent que quand il y aura quelque chose, ils vont partir là. Mais Dieu va faire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va rester tout comme ça? Sonia, que ce soit la dernière, it's the first and the last one. You talk like that to our coach, Amanchik. It's a warning. This is the first warning. Ça, c'est un premier avertissement. Si tu fais si tu viens vendre ton produit en Côte d'Ivoire et que tu attaques notre coach Amanchik, nous allons appeler à un boycott. Personne n'ira à ta conférence. Que ce soit bien clair. Personne n'ira à ta conférence. C'est parce que nous sommes powerful. C'est parce que nous avons de l'impact. Même dans Facebook, qu'on bloque nos vues. Vous connaissez affaire là. L'impérialisme attaque la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes nos frères africains, vous nous attaquez. On vous a fait quoi? Vous, nos frères africains, vous nous attaquez. On vous a fait quoi? C'est vrai qu'entre les Africains, il y a des affinités. Il y a des affinités. Par exemple, aujourd'hui, j'écoutais Africa Media. Je les salue depuis leur position. Et j'écoutais la combattante du Mali qui parlait de maintenant, ils font de façon synchronisée, c'est-à-dire de façon solidaire, le Niger,
le Burkina Faso et le Mali à propos de ce qui se passe au Sahel. C'est une très bonne initiative. C'est dans le malheur, on s'entend. Mais dans le bonheur aussi, il faut s'entendre. Dans le bonheur aussi, il faut s'entendre. Nous nous respectons. Donc, respectons-nous. Continuons à nous respecter. Il est hors de question que vous traitez les Ivoiriens comme ça, chez eux, sur leur lens. That's not possible. It's a big no-no. For real. On ne peut pas accepter ça. Vous ne voulez pas voir les autres avoir du succès. Pourtant, aux États-Unis, il y a plein de coachs. Tout le monde a du succès. Personne ne se plaint de personne. Il n'y a pas de rivalité. C'est entre vous, les Blacks, les Africains de l'Ouest. C'est vous tous qui êtes en train de faire des concurrences débiles, des compétitions débiles. Zuckerberg a créé Facebook là pour que vous fassiez des concurrences débiles. Conan, que coach Amandchik, je la connais pas. Tu te donnes du gens, tu donnes des airs. C'est notre coach. Ça, c'est la première fois. Il dit que c'est la première fois. Demande à Sidi qui se débatte. Maintenant, on est camarades. Ceux qui nous représentent, par exemple, la Miss, là, vous, si on la clash tout de suite, nous, on sort. Hein, parce que c'est la représentante de la Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients. Nous, les Ivoiriens, sommes conscients. On n'en veut à personne. Mais si vous nous manquez du respect, là, on va vous l'imposer. On va vous l'imposer. Ce n'est pas possible que vous traitez les Ivoiriens comme ça. Même chez eux. Même chez eux, sur la terre de la Côte d'Ivoire. Toi, tu viens vendre ton produit de coaching. Tu viens vendre une conférence. Et puis, tu vas parler comme ça à notre. Tu vas te comparer. En fait, tu cherches de la visibilité. Tu cherches de la lumière. Tu cherches du spotlight. Tu cherches une pub. En attaquant notre coach, tu sais qu'on va réagir. Cause, effet. C'est ce que tu cherches. T'es dans ce paradigme-là. De cause, effet. Parce que ça te fait un buzz. Ça te fait que les gens vont parler de toi. Et puis ta conférence, on va dire, oui, elle a une conférence. Je sais que c'est un marketing que tu es en train de faire. C'est un marketing. It's a marketing. That's all. C'est tout. Vous pensez que vous allez nous décourager? Vous ne pouvez pas nous décourager. Vous pouvez autant nous minimiser. Ce que les impérialistes font là, c'est ce que vous, les frères africains, certains d'entre vous, comme peut-être vous avez vécu dans les pays développés, vous connaissez comment est-ce que ça se passe dans la psychologie. Vous allez appliquer ça sur d'autres Africains. Mais alors, vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas. Coach Amandchik, elle a sa gamme. Elle a son game. Elle a sa manière. Elle a sa façon de faire. Elle est talentueuse. Toi aussi, tu es talentueuse à ta manière. Il y a des gens qui vont raffoler. Qui vont raffoler tes conférences. Il y a d'autres qui vont raffoler les conférences de coach Amand. Mais nous, on la soutient. C'est notre soeur. Aïe. On la soutient. À 1000%, on la soutient. Parce qu'elle a aidé certains couples. Mais il y a d'autres pays africains qui la soutiennent et qui aiment son coaching, qu'elle a permis que certains mariages s'arrangent. C'est tout. Il faut savoir apprécier les gens. Il faut être riche en appréciation. You have to praise her. Parce que c'est ce qu'elle a fait pour toi. Et on va écouter ce qu'elle a dit à ton propos. Elle a un bon fond. Do you think you're better than her? Je ne sais pas si tu vis aux États-Unis, mais je ne sais pas où, mais je ne sais pas. Do you think you're better than our coach? You're not better than her. You're not. You have your game, she has her game. That's all. On va voir le chose qu'on appelle ça même. C'est que coach Amand a dit à son propos. J'espère que j'ai trouvé ça. D'abord, je vais vous montrer les vidéos. La première vidéo. Voilà ce qu'elle dit. Mais
ce sens, je peux dire devant... Qu'est-ce qui se passe entre les coachs Lady Sonia et Amonchi? Va-t-on assister dans les prochains jours à une nouvelle guerre des coachs? Coach de vie, experte en développement personnel, Lady Sonia est l'une des plus grandes influenceuses du web. Elle exerce son métier de coach sur tout le continent et n'hésite pas à aller à la rencontre de ces personnes qu'elle appelle les tubos. La coach et écrivaine Lady Sonia est en ce moment en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, pour une grande conférence qui aura lieu le 5 décembre prochain. Elle parcourt donc les médias pour communiquer sur cet événement. Dans une émission diffusée le 30... Non, tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire pour une conférence. Ce n'est pas comme ça qu'on vend un produit. En tant que coach, peut-être que tu as fait des études de coaching, moi je ne sais pas. Mais quand tu veux vendre un produit, ce n'est pas comme ça que tu fais le marketing. Tu n'attaques pas un autre coach aux États-Unis. Elisabeth a fait des études aux États-Unis, mais je ne sais pas où, ou bien en Europe. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. On ne dénigre pas l'autre pour se faire voir, ou pour se montrer, ou pour vendre son produit. C'est un faux marketing. Ce n'est pas une bonne façon de faire du marketing. C'est pas un... Faut nous dire peut-être quelque chose, peut-être que tu as écrit un livre, ou bien peut-être que tu as fait quelque chose. Il faut vendre le produit. Il faut vendre peut-être une de tes conférences, ou bien un de tes packages. C'est comme ça qu'ils font. Vous regardez sur quoi même pour faire vos histoires de coaching là. Bon, si vous ne regardez pas sur quelque chose, pourquoi vous partez toujours par des clashs? Ou bien par diminuer l'autre? Ou bien dégrader l'autre, la personnalité de l'autre? Pourquoi? Pourquoi il faut toujours dégrader? Vous dégradez parce que c'est ce qu'on vous a montré toujours. C'est ce que les colons vous ont montré toujours. C'est ce que l'impérialisme vous a montré toujours. En dégradant l'autre, vous pensez que vous montez. Mais vous faites erreur. Vous faites fausse route. Ce n'est pas en dénigrant l'autre que toi tu avances. Parce qu'en dénigrant l'autre, et puis encore dans son pays d'origine, tu viens vendre un produit là-bas et tu dénigres leur coach, tu dénigres leur représentation, tu dénigres leur représentante. Ou bien un symbole. On va écouter un autre encore. Quand il s'agit de la coach Amonchi, que ce n'est pas à elle de considérer qui que ce soit comme coach, et après affirmer quand on montre Madame Janice Sokozizi, c'est ça un coach. C'est d'elle que je parle. Oui. Ah oui, c'est d'elle que je parle. C'est elle. Ouais, elle est complexée, cette coach. Cette coach Sonia, elle est complexée. Elle parle de Jamel, elle est plus souriante, mais quand c'est coach Amand, c'est de elle que je parle. Elle dit que non, qu'elle ne connaît pas coach de façon personnelle. Qui t'a dit de connaître coach de façon personnelle? On ne connaît pas les gens de façon personnelle, tu ne peux pas la connaître personnelle, mais tu peux la connaître pour, dans le même domaine de profession ou bien de pratique. Tu peux la connaître sur ce plan, c'est ce qu'on te demande. On n'a pas dit c'est ta copine. Ce n'est pas ta copine et elle ne sera jamais ta copine. C'est dans le domaine professionnel. C'est dans le domaine du travail. C'est dans le domaine des talents. C'est dans le domaine de ce que vous vendez à la société. C'est ce qu'on te demande comme question. Ça, ce n'est pas professionnel. Coach, la soi-disant lady. Ça, ce n'est pas lady du tout. Tu connais plus. Tu veux dire par là que tu connais plus la coach Jamel, là, Jamil, là, ou bien je ne sais pas, l'autre coach. Un peu plus light de peau là. Tu peux dire que c'est elle. Toi, tu la connais. C'est ta copine. Vous mangez ensemble. C'est ta parente. Tu es complexé, c'est tout. Oh, mais parce qu'elle était sur les réseaux sociaux en même temps que toi. Donc, notre coach venant peut-être qu'elle n'est pas. Elle n'a pas plus d'expérience sur les réseaux sociaux que vous. Donc, toi, tu reconnais le plus. Mais c'est de l'hypocrisie, tu la connais très bien. Je dis bien, tu connais très bien. Tu regardes ses directs. Et tu vois comment elle framponne, elle fracasse. La dashi des coachs. Tu sais ça. Tu ne veux pas admettre, mais tu es hypocrite, tu es lâche. C'est tout. Tu es fumiste, peut-être. Tu m'excuses un coach, mais tu as zaillé. Ce n'est pas comme ça, ce n'est même pas professionnel. Cette interview que tu as faite là.
Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais dire, je n'ai pas là ta conférence. Parce que le garbage comme ça, là, c'est pas en Côte d'Ivoire qu'on va vendre ça. Hein. Les Ivoiriens qui sont à Abidjan, ils n'ont pas de coach, mais ils sont plus avancés en coaching que ce que tu as venu les vendre. C'est du n'importe quoi. Comme c'est la première fois, là, ça c'est un avertissement. Mais prochainement, on va faire appel. On va faire un appel aux Ivoiriens. N'est pas là ta conférence. Comme ça, tu apprends à nous respecter. Comme ça, vous allez apprendre à respecter les Ivoiriens. Quand vous venez chanter, quand vous venez faire vos trucs là, quand la coach est partie en Afrique centrale, là, ils l'ont bien reçu. C'est pour ça que je dis souvent que nous, on a plus d'affinité avec les gens de l'Afrique centrale. Et puis les Afriques du Sud, là, souvent on a des affinités. Mais nos frères de l'Afrique, de, je sais pas, du Nord, je sais pas quoi, pas le Nord, non, mais ça veut dire qu'il y a des choses. Chacun a son talent. On vous apprécie tel que vous êtes. On s'apprécie. Sachez nous apprécier aussi. Oui, mais je ne sais pas si coach, elle est de l'Afrique centrale, mais néanmoins, soyez bien avec les autres. Ce n'est pas en dégradant notre coach que ça va faire de toi une coach extraordinaire et que les gens vont, il aura guichet fermé à ta conférence. On ne peut pas accepter ça. Que ça soit bien clair, on ne peut pas accepter ça. Moi, je parle de la politique, je ne parle jamais de faits divers comme ça, mais je parle parce que c'est comme aussi le panafricanisme. C'est comme on laisse les artistes, you know, les talents, faire des échanges, on apprend des uns et des autres. C'est dans cet esprit-là. C'est de cet esprit d'échange, you know. C'est de cet esprit africaniste-là, de l'africanité-là. C'est comme ça que c'est pour ça qu'on laisse les artistes venir, etc. C'est la culture qu'on échange. Chacun est singulier dans sa singularité. Il dit bien, chacun est singulier dans sa singularité. C'est de ça qu'il est question. C'est pas parce que l'algorithme de YouTube met nos vues à 1000 vues qu'on ne nous connaît pas. Que nous ne sommes pas connus. C'est faux. Si vous savez combien de fois les gens font pour que nous ne soyons pas visibles sur les réseaux sociaux, nous les Ivoiriens, vous allez même pleurer. Tout ça, c'est pour nous prendre des sous. Moi, je connais le système de Facebook. Pourquoi on paye de l'argent? Pourquoi on a de la visibilité? Mais les vues, la visibilité, être connu, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'amitié, c'est l'échange, c'est le savoir qu'on s'échange, c'est la connaissance qu'on apprend de l'un et de l'autre. C'est comme ça qu'on va évoluer. Mais ce n'est pas dans l'animosité, dans la jalousie, dans le dénigrement de d'autres peuples ou bien de d'autres cultures. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir. Ce n'est pas comme ça l'Afrique va avancer. Ce n'est pas comme ça qu'on va être solidaire. C'est de ça qu'il est question. Les Ivoiriens ont eu toujours bon fond. C'est dans leur nature. Ils ont eu toujours un bon fond. Quand ils vont à l'étranger, qu'ils déconnent, on les prend sur les réseaux sociaux, on les fait asseoir sur le tabouret, on dit non, on ne fait pas ça. Et quand ils vont, ils se corrigent. Vous êtes témoins, vous les Ivoiriens et vous les Africains. C'est de ça qu'il est question. On va monter ce que Lady, comment on appelle ça, notre coach a dit, à propos de Lady, cette Lady, soi-disant Lady là. On va, je vais vous faire écouter. Vous voyez, elle a fait les éloges. Elle a dit, la coach Sonia est très très connue en Afrique. D'accord? Elle est, c'est une grande soeur à elle. Elle respecte son travail. Elle apprécie. C'est tout. Elle est humble. Notre coach Armand, c'est vrai qu'on dit non, que des fois elle dit des grands mots ou bien des trucs. Elle est trop directe, elle est trop,
Il y a ce que souvent c'est quand elle dit ce n'est pas pudique, etc., etc. Mais si vous êtes coincé, c'est votre problème. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Mais ici, elle a été humble. Ça, c'est plus professionnel. Elle était très professionnelle dans son interview par rapport à Lady Sonia. Ça, c'est une interview très professionnelle. Pour les hommes d'affaires, pour des businessmen, son interview et puis celle de Sonia. Mais moi, je vais employer, s'il y a quelqu'un qui doit me coacher ou bien quelqu'un qui doit coacher une compagnie, je vais la recommander. Je vais la recommander par rapport à l'autre. Pas parce qu'elle est ivoirienne, mais elle a plus, elle, il y a plus de professionnalisme dans ce qu'elle dit. C'est vrai, son coaching est stylé, c'est une certaine gamme. Il faut comprendre certains thèmes ou certains nouchis ivoiriens, mais elle le fait de façon pudique. C'est plus professionnel. C'est comme par exemple, tu travailles dans une compagnie, et puis, quand tu travailles dans une compagnie, là, tu n'étais pas content de la compagnie et tu as laissé la compagnie, tu vas travailler dans une autre compagnie. On te fait une interview et on te demande qu'est-ce que tu penses de ton ancien travail, dans l'ancienne compagnie que tu as travaillé, qu'est-ce que tu en penses d'eux? Et puis tu commences à critiquer cette compagnie-là. Que non, les gens ne sont pas bien, les gens sont méchants, ils ne payent pas bien. Tu commences à insulter ou à critiquer tes anciens employeurs. L'autre compagnie ne va pas te prendre. Parce qu'ils se disent que tu n'es pas reconnaissant. Et en plus de cela, ils vont se dire que quand tu vas aller dans une autre compagnie, tu vas faire la même chose. Tu vas parler mal d'eux. Ils ne vont pas t'employer. Ils ne vont pas t'employer. Parce que le coaching, c'est une histoire de motiver les foules, motiver la population, motiver les travailleurs, motiver la société. Donc, c'est le produit que tu es en train de vendre comme ça. À qui? Aux internautes, aux commentateurs, à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Parce que tu vas pour une conférence. Donc, il faut vendre bien ton produit. Il faut le sell. You have to sell your product. You can't sell your product like that. You can't. Nobody's gonna buy your product. Because you're not a good motivator. You're not good. Malgré que tu n'as pas encore montré, démontré, you know, ta terminologie, ou bien ton thème, ou bien ta thématique, déjà l'interview dit beaucoup de toi. Moi, je ne peux pas aller, je ne peux pas payer peut-être 200 000 francs pour aller à cette conférence-là. Pourtant, si tu avais fait peut-être une interview où tu avais montré un système, ou bien un fait, ou bien un thème où il y a eu beaucoup d'hommes qui ont réussi, ou bien qui ont été motivés et qui ont eu des résultats, et que tu montres avec le nombre de vues, ou bien le nombre de gains, ou bien le nombre de résultats, moi j'y vais y aller. J'ai dit, ouais, la coach, mais elle est bonne, elle est bien. Regarde tout ce qu'elle a fait comme exploit. Il faut vendre tes exploits. Coach Sonia, il faut vendre tes exploits. Ce n'est pas en critiquant un autre coach que ça prouve que tu as de l'exploit, non. Vous dites que vous êtes coach, mais vous n'avez pas, you know, vous n'avez pas les manières. Vous n'avez pas les manières de faire payer vos produits. Moi, Lisa, tu ne peux pas me convaincre. Moi, je ne vais pas te prendre. Je ne vais pas payer 200 000 francs CFA pour aller regarder ton coach. Parce que pour moi, c'est zéro. C'est zéro. C'est vrai, tu as le style. Tu as la classe, tu as la prestance. De façon physique, de façon personnelle, tu as la prestance. Tu présentes très bien. Mais dans la forme, parfait, mais dans le fond, il y a fouille. Moi, c'est ce que je vois. Par contre, quand t'as manché, déjà son interview, quand je regarde son interview, déjà, elle est positive. You know? Elle dit des choses positives. C'est déjà bon. Pour un coach, pour un coacheur, ou bien, pour un coach ou un coacheur, c'est déjà, elle est, dans son esprit, c'est positif. Donc, tout ce qu'elle va dire, c'est pour faire avancer.
Ça pouvait avancer. C'est aussi simple que ça. C'est comme de l'eau à boire. Elle t'a valorisé, la coach Amandine. Elle t'a donné du crédit. Elle t'a respecté. Comme en Afrique, on aime beaucoup respecter. C'est ce qu'elle a fait. C'est sa culture. Ça, c'est l'Ivoirien. L'Ivoirien aime tout se faire petit. L'Ivoirien aime tout. Quand je dis petit, c'est en griffe. C'est ce respect-là. Elle t'a donné du crédit. Elle t'a valorisé. Et elle est sincère. On sent qu'elle est sincère. Mais par contre, toi, on te donnait des airs, des gens. Tu penses que tu es la meilleure. Tu n'es pas plus meilleure que Oprah Winfrey. Il y a des coachs aux États-Unis, tu ne peux même pas arriver à leur orteil. Parce qu'au-dessus de toi, il y a quelqu'un d'autre. Il y a des coachs qui sont mieux que toi, qui sont des vrais coachs avec des résultats. Des gars results. Ce sont des coachs best-sellers. Il y a des coachs comme ça. Donc toi, tu n'es qu'une apprenante aussi comme coach Amandine. C'est tout. C'est vrai, tu as une certaine ancienneté. Il est dans le coaching. Mais ça ne veut pas dire que tu es la meilleure. Tu peux être meilleure dans certains thèmes. La coach Amandine aussi, meilleure. En fait, c'est comme par exemple le maître et l'élève. L'élève qui est en train de connaître tout peut-être les secrets du maître, ou bien l'élève a plus de talent que l'élève a plus de talent que le maître. Toi, tu vois ça comme ça. C'est comme ça que toi, coach Amandine, toi, coach Sonia, tu vois. Tu vois ça en maître et élève. Mais non. Chacune est forte dans son domaine, dans ses talents. C'est la réalité, c'est la vérité. Avec la présentation de l'interview de cette dame, de Chimène, et toi, ta présentation, ton interview, si j'ai une société et que je vais faire coacher mes employés, je vais prendre coach Amandine. Parce que déjà, elle est positive. Pourtant, tu es une concurrente à elle. Tu peux être une concurrente à elle. Si oui, il y a compétition. Mais comme dans le coaching, il n'y a pas de compétition. Ce n'est pas comme les jeux individuels. Ce n'est pas ça. Tu vois le coaching en jeu individuel. C'est-à-dire qu'il faut compétir. Non, il n'y a pas de compétition. There's no matching. You are good at what you do. She's good at what she do or she does. Amen. D'accord? Tu es bonne dans ce que tu fais. Elle aussi, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Donc, prochainement, il ne faut pas faire ce genre d'interview-là. Ce n'est pas professionnel. L'apparence-là, ça dit que la sape, you know, le beau visage, et avec, le micro, tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas ça le but. Le but, il faut que tu donnes des résultats. Le but, il faut que les gens apprennent beaucoup de toi après cette conférence qu'ils vont payer peut-être à 150 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Il faut le résultat. Comme ça, prochainement, ils t'invitent. Parce que la beauté, là, nous tous, on est jolis. Ou bien, on est tous belles. Et puis, elle est subjective. You know? On veut quelque chose de plus deep, quelque chose de fort, quelque chose de fort, de quelque chose, I mean, something deeper. On ne veut pas de superflu ou même de superficiel, non. Ça ne nous intéresse pas. On veut des choses de qualité. On veut des choses de qualité, des quelque chose qui sont effectifs et plus productifs. On veut les résultats de ton coaching que tu as fait en Côte d'Ivoire. Ils vont nous envoyer les vidéos. Comment est-ce que tu as coaché? Est-ce qu'il y a des vies qui ont changé? Est-ce qu'il y a des relations qui ont changé? Ou bien est-ce que c'est un coaching, la thématique, c'est le business, les entreprises? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu construire ou bien faire des entreprises ou qui les ont rapportées? C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous voulez tricher sur les Américains, là, trichez bien. C'est comme ça qu'ils font. C'est pas en se dénigrant. C'est pas en se dénigrant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les Ivoiriens, les Africains. Nous allons nous respecter.
lorsque nous allons aller rendre visite à chacun dans son pays, on va se respecter mutuellement. Et donc, je peux dire, le panafricanisme, là, c'est la réciprocité. Il faut respecter l'autre nation, l'autre pays. Il faut respecter les habitants. Il ne faut pas leur foutre le bordel chez les autres et puis dire que toi, ton pays, il est épargné. Non. Il ne faut pas prendre les autres ressortissants des autres pays de bas. Non. Si Africa Media dit le monde, c'est nous là. On doit commencer à changer notre mentalité, notre manière de voir les choses. Pas compétir toujours entre nous lorsqu'il n'y a pas raison d'être, mais compétir pour être les meilleurs à la face du monde. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Je vais saluer tous ceux qui sont installés, c'est-à-dire ceux qui ont regardé la vidéo. Il y a beaucoup qui ne sont pas, montrés, qui ont regardé la vidéo de façon cachotière, mais ce n'est pas bien grave. Je vous salue depuis vos positions. Je salue Francis. Je salue Oula. Patience. Pati Fofana. Merci d'être resté sur cette vidéo. On est à très 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 bientôt. C'était votre Lisa. Bye.